avec ma famille, j'arrive en Israël. Bon, bah, c'est une histoire, une situation politique qui fait que toute cette communauté devait quitter Bagdad. J'arrive en Israël et je me souviens, bon, j'ai fait des études un peu très, très comme ça, parce que je fallait maîtriser une langue que je ne connaissais pas, tout ça. Je me souviens, le maître m'a dit, toi, je suis sûr, tu seras peintre plus tard. Et ça devait peut-être, il a dû dire ça parce que j'étais souvent là pour décorer à la fin de l'année une exposition, des choses comme ça. Et je me souviens quand on a fini l'école, il y avait une exposition. Probablement j'ai dû travailler beaucoup pour cette exposition, enfin exposition d'école, je veux dire des écoliers, des petits. J'ai dû décorer, des choses comme ça. Il m'a offert un livre qui s'appelait Les grands peintres d'image de l'homme.